Joie et paix à toute la terre et ses habitants. Recevons la parole des dieux avec les révérends pasteurs Kilouba ou Kilouba. Que Dieu vous bénisse. Chers auditeurs en ligne, chers auditeurs qui nous suivez par des radios périphériques de vos villes respectives, recevez notre salutation hebdomadaire au nom de l'Esprit éternel du salut. Le sujet que je vais développer pour vous aujourd'hui s'intitule « Dieu, l'incontournable sauveur de tout ». C'est l'incontournable sauveur de tout et de tous. Dieu, ce n'est pas moi qui l'invente, c'est lui-même qui le dit. Il s'autoproclame. Et tout du plaisir à s'autoproclamer qu'il est. Si vous croyez à ce qu'il est, vous verrez qu'il est, selon ce qu'il dit qu'il est. J'aimerais que ce message puisse aider les habitants de la terre à écouter ce qu'il proclame sur lui-même. Il nous a été rapporté par l'envoyé du trône, Esaïe. Qui enverrai-je? Qui parlera pour nous? Me voici, envoie-moi. Dans cette mission du prophète Esaïe, Dieu proclame ce qu'il est de toute éternité. Il est. Recevez la révélation de ce qu'il est. Esaïe chapitre 43, les versets 10 à 11. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous le sachiez, que vous me croyez et compreniez que c'est moi. C'est moi. Avant moi, il n'a point été formé de Dieu. Et après moi, il n'y aura point de Dieu. De quel Dieu s'agit, le verset 11? C'est moi qui suis l'Éternel. Au moins, il n'y a point de sauveur extraordinaire. C'est lui qui le dit. Hors de moi, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Cette information est formidable et merveilleuse. Wonderful. C'est moi, qui suis l'Éternel. Au moins, il n'y a point de sauveur. Ça, c'est extraordinaire. De quoi mon sujet s'intitule Dieu, l'incontournable sauveur. Il est incontournable. Croyez à l'Écriture. Celui qui l'a dit, hors moi, il n'y a point de sauveur. Il est le seul Dieu qui sauve. Je vais évoluer avec cette autoproclamation de Dieu. Esaïe 44, verset 6. Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël, son rédempteur. Il est le sauveur de toute une nation. Il a sauvé, il sauvera encore et encore. C'est le roi et son sauveur. Et dit l'Éternel, désarmé. Je suis le premier et je suis le dernier. Au moins, il n'y a point de Dieu. C'est pourquoi on met ça, c'est intitulé Dieu l'incontournable, sauveur de tout et de tous. Suivez-moi, le verset 7. Qui a comme moi fait des prédictions, qui les déclare et me les prouve. Depuis que j'ai fondé le peuple ancien, qu'ils annoncent l'avenir et ce qui doit arriver. N'ayez pas peur, ne tremblez pas. Ne te lège pas dès le commencement annoncé et déclaré. Vous êtes mes témoins. Y a-t-il un autre Dieu que moi? Et ça, c'est fort. Il n'y a pas d'autre rocher. Je n'en connais point. J'ignore les autres rochers. Il n'y en a pas dans l'univers. Et il a dit, je n'en connais point. Et au moins, il n'y a pas de sauveur. Je vais continuer avec ma lecture de l'autoproclamation des dieux sauveurs. Esaïe 45, les versets 21 à 22. Déclarez et faites-les venir qu'ils prennent conseil les uns des autres, qui a prédit ces choses dès le commencement et depuis longtemps les a annoncées, n'est-ce pas moi l'Éternel? Il n'y a point d'autre Dieu que moi. Je suis le seul Dieu juste et qui sauve. Alléluia!
dit, je suis le seul. C'est pourquoi, suivez bien, j'ai tiré mon message et dit, Dieu l'incontournable sauveur de tout et de tous. De ses propres déclarations. Et le verset 22, une invitation est lancée à tous. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Alléluia. Alléluia. Vous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu, il n'y en a point d'autre. Et ça, c'est fort. Quand j'ai lisé cette autoproclamation de ce Dieu sauveur, j'ai dit que c'est fort. Mais pourquoi vous ne voulez pas vous tourner vers cet incontournable Dieu sauveur? Il vous les promet et les confirme. Et il dit, tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. J'arriverai dans la suite de mon propos. Quiconque invoquera le nom du Seigneur, alléluia, alléluia, sera sauvé. Quiconque, qui qu'il soit, blanc et noir, riche et pauvre, vieux et jeune, quiconque, je vous lance un défi, quiconque, il est. Le problème est que vous ne vous tournez pas vers lui, tournez-vous vers moi, vous serez sauvés. Et j'arriverai vers Romains, chapitre 10. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Laissez-moi continuer avec cette vulgarisation de la personne qui sauve, Dieu, l'incontournable sauveur de tous. Je vais lire aussi dans le livre de Osée, ça revient encore. Osée chapitre 13, et le verset 4, toujours lui. Et encore lui. Et moi, je suis l'Éternel ton Dieu de le pays d'Égypte. Tu ne connais point d'autre Dieu que moi. Il n'y a de sauveur que moi. Quelle affirmation! Il n'y a pas de sauveur que moi. C'est l'incontournable sauveur que j'ai voulu présenter aux uns et aux autres. C'est le sauveur de tous. Et j'aimerais que nous puissions comprendre qu'il ne les dit pas pour besoin de publicité. Non et non. Il les dit par amour pour l'humanité confrontée à des problèmes différents. C'est par amour, mais pas par publicité. Il se porte garant de votre salut. Non pas simplement de votre salut spirituel. J'arriverai même de votre salut physique, de votre salut matériel, financier. Il est le sauveur. Lorsqu'il voit Israël dans la souffrance en Égypte, il est descendu. Dieu est un appui et secours qui ne manque jamais, jamais dans la détresse. Il est descendu pour sauver Israël de l'Égypte. Il avait utilisé l'agneau pascal, son pendant la semaine pascale. Il reviendrai vers la personne en qui s'est incarné. Il avait déjà donné un avant-goût que c'est Dieu sauveur. C'est le Dieu d'éternité. Il est sauveur. Il a dit avant moi, il n'a jamais eu point de Dieu. Après moi, il n'y en aura pas. Il est sauveur. J'aimerais évoluer en vous disant, il est le sauveur de tout et de tous. Écoutez-moi bien, vous qui détenez l'autorité pour le bien des hommes de la terre. Je vais lire dans les psaumes, chapitre 144. Là encore, c'est le Dieu incontournable. Psaume 144, le verset 10, c'est toi qui donnes le salut au roi. Alléluia. Qui sauva du glaive meurtrier David, ton serviteur. Toi qui donnes. Il s'est donné le salut au roi de la terre. Que ce soit des rois politiques, ecclésiastiques, toutes les autorités de la terre, vous avez droit, il sait vous donner, pour que vous puissiez continuer à régner et faire le bien. Lorsque Jésus est né roi à Bethléem, il avait sauvé les bébés kings, afin qu'ils puissent continuer à régner, quels que soient les guet-apens, politique, savamment travaillé pour tuer les rois. Les sauveurs étaient au rendez-vous.
et il avait sauvé Jésus le King. Il avait arraché des griffes d'Hérode. Il avait caché. Il avait caché chez nous en Afrique. Et après avoir tué les meurtriers, il a ramené le King sur son territoire extraordinaire. Il est rentré. Toi qui donnes les salis au roi, qui sauva du glaive meurtrier David ton serviteur. Puisque Dieu voulait que David règne pour faire le bien. C'est un sauveur des rois qui font le bien. J'ai dit aux pasteurs, j'ai dit aux évangélistes, longue vie à vous par les sauveurs des autorités spirituelles. Il donne les salis au roi. Ce message est pour vous, pasteur, évêque, archevêque, prophète. Il s'est vous donné, il avait donné les salis là où Moïse ne pouvait pas l'avoir. Il y avait un décret royal qui stipula que l'on puisse tuer tous les bébés mâles d'Israël. Et Moïse, qui était le roi, le chef, le libérateur, était en danger. Mais les dieux sauvés qui donnent les salis au roi étaient au rendez-vous. Celui qui donna les salis au premier ministre Joseph, il mourait face à la haine de ses frères. Mais les dieux qui donnent les salis au roi avait sauvé du glaive meurtrier de ses frères. Il dit, c'est mes sastres, je connais que les hommes de Dieu, les femmes de Dieu courent des dangers et des dangers et des dangers. Tournez-vous, pasteur, vers celui qui a dit hors de moi, il n'y a pas de sauveur. C'est le rocher du salut des rois. Il sait vous sauver. C'est l'incontournable sauveur de tous et de tout. J'y reviendrai. Mais j'aimerais que vous me suiviez très attentivement. Ce Dieu sauveur a donné son nom. Alléluia et alléluia à Jésus. C'est Gabriel qui l'avait dit, tu lui donneras le nom de Jésus. Car il sauvera son peuple de son péché. Le sauveur avait donné son nom à Jésus. Ce n'était pas le simple nom, écoutez-moi. Il s'est incarné, puisque hors de lui, il n'y a pas de sauveur. J'aimerais vous dire que Jésus, avant d'être sauvé, il était le sauveur. Suivez-moi bien. Dit celui dont l'origine remonte au temps de l'éternité. Avant que Jean-Baptiste dise, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Il était l'agneau sauveur. Ce n'est pas moi qui l'invente, c'est l'apôtre Pierre qui le dit. Que vous avez été rachetés par le sang précieux d'un agneau sans tache, prédestiné avant la fondation du monde. Il était l'agneau avant d'être agneau. Il était sauveur. Il est venu en mission de sauveur. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils unique. En fait, que quiconque croit dans ce sauveur ne périsse point. S'il sait vous sauver de la mort éternelle, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Que vos pépins que vous avez sur la terre s'est incarné. Et c'est, je vais quand même lire ça, c'est l'apôtre Pierre. On lui pose la question, au nom de qui vous avez fait ce miracle? Et c'est sa réponse qui vient confirmer ce que j'ai dit, que Jésus est l'incontournable sauveur. Au chapitre 4, les versets 11 à 12. Jésus est la pierre jetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale des langues. Il n'y a de sali en aucun autre nom, hein, car il n'y a sous le soleil aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes, par lesquels nous devions être sauvés. C'est exclusif. On ne peut échapper à la damnation éternelle que par ce sauveur envoyé en mission. C'est une parole certaine et digne d'être reçue, que Jésus est venu dans le monde pour sauver. Pour sauver. Alléluia. Les pécheurs. Et moi j'ajoute en disant, pour sauver tout.
vous sauvez tout. C'est la semaine pascale. Je pense à ce que l'agneau pascal avait sauvé en Égypte. Il avait sauvé et les corps, et les esprits, et les biens, et les grandes richesses. Au lieu que ça reste dans le monde, il avait sauvé. Votre richesse doit être sauvée. Tout cela venait de l'agneau pascal. L'Église dans son ensemble célèbre la semaine pascale. Mais c'est un Dieu sauveur. J'aimerais vous dire, il a été sauveur avant de venir dans le monde. Dans les livres de Pierre, de 1 Pierre chapitre 1, le verset 19 jusqu'au verset 20. Mais par les sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans tache, sans défaut, prédestiné avant la fondation du monde, manifesté à la fin du temps à cause de vous. Ce qui m'intéresse dans ces versets, c'est son existence avant l'existence. C'était l'agneau prédestiné. Il existait comme agneau. Vous allez me dire, pasteur, donc Dieu a créé la situation, l'incident du péché sur la terre afin d'envoyer Jésus pour sauver, puisqu'il avait préparé ça. Souvent, ça a été cette manière de dire ce texte ici. S'il a été prédestiné comme agneau, c'est que Dieu savait que non, je vais faire tomber l'homme, le laisser tomber pour qu'il vienne, puisqu'il a été prédestiné pour ça. Non. C'est son existence. Il existe comme sauveur avant de sauver. Ce n'est pas l'incident du péché qui a créé l'agneau, mais il existait avant même que l'incident ait lieu. C'est la Bible qui le dit. Vous avez été racheté par le sang précieux, comme d'un agneau sans tache, prédestiné avant la fondation du monde. Il existait comme sauveur. C'est pourquoi je comprends que toutes les déclarations qui sont dans Ésaïe, avant moi, il n'y a jamais eu de Dieu. Et après moi, il n'y en aura pas de Dieu. Et au moins, il n'y a pas de sauveur. Il était sauveur. C'est sa nature de récupérer toutes choses. Alléluia. Si la parole avait récupéré le monde dans lequel nous sommes, la terre sur laquelle nous sommes a été sauvée par la même personne. C'est le Dieu sauveur. C'est un Dieu de récupération. La terre était vide et forme. Les ténèbres étaient au-dessus des eaux. Mais Dieu, là encore, l'incontournable sauveur de tout. Il est venu sauver la terre pour le bien de l'homme. Suivez-moi. Et vous avez une terre. On dit bien, Pierre l'a dit quelque part, c'est une terre qui a été tirée de l'eau. Donc, il sait sauver tout. C'est pourquoi j'ai dit Dieu, l'incontournable sauveur de tout. Qu'est-ce que c'est votre problème? Il avait sauvé la terre. Il a toujours sauvé. Il est disponible. J'aimerais que Dieu ne soit pas votre sauveur historique. Non. Je vais lire avec vous un texte qui va vous aider. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 63, ce qu'il a été, il a sauvé Israël de l'Égypte. Mais après l'avoir sauvé de l'Égypte, il est resté sauveur. Car il savait que d'autres situations allaient se présenter sur le chemin. Regardez Ésaïe, chapitre 64. Je lis le verset 8. Il avait dit certainement, ils sont mon peuple. Des enfants qui ne seront pas infidèles. Il a été pour eux un sauveur. Dans toutes leurs détresses, ils n'ont pas été sans secours. Alléluia. Il a été sauveur d'Israël de l'Égypte. Mais leur détresse sur leur chemin de la vie, il était au rendez-vous. Il a été pour eux un sauveur. Dans toutes leurs détresses, ils n'ont pas été sans secours. Et l'ange qui est devant sa face les a sauvés. Alléluia, alléluia. C'est un sauveur qui a la tête de sauveur. L'ange de l'Éternel campe
autour de ceux qui craignent Dieu les arrache au danger de santé, combien les ténèbres est bon. Jésus avait été sauvé par les dieux sauveurs de la mort. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et l'ange sauveur qu'il avait sauvé du danger de la mort, du complot d'Hérode, a été encore rendez-vous Dieu et sauveur. J'aimerais qu'il soit le sauveur permanent de la vie des chrétiens. C'est pourquoi j'ai parlé de Dieu, l'incontournable sauveur. Le salut n'est qu'un pas dans ce vaste salut du sauveur. Jésus est sauvé de la mort que lui voulait Hérode. Mais plus tard, là même il est tué. Mais il s'est tourné. Tournez-vous, écoutez-moi. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Et Jésus s'est tourné vers son sauveur. Dieu, my Savior, God is my Savior. Il a crié, mon Dieu. Il dit, il avait présenté des prières avec de grands cris et des supplications à celui qui pouvait les sauver. Alléluia. Lui au moins a suivi les schémas recommandés par les sauveurs habitants de la terre. Suivez ces schémas du Dieu incontournable, sauveur de tout. Jésus a crié, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et là encore, on a dépêché un ange puissant qui a fait trembler la mort. Et la mort avait vomi son otage, Jésus. L'ange roula, puisqu'il avait suivi les chemins que je suis en train de proclamer aujourd'hui, que lui-même avait enseigné, dit, tournez-vous. Il ne s'est pas seulement arrêté à proclamer ce qu'il est, mais il a montré la voie pour jouir de ce Dieu sauveur. Et tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Vous qui êtes aux extrémités de la terre. Je pense à ceux qui sont en Asie, ceux qui sont en Amérique. Tournez-vous vers lui. Vous serez sauvés dans les choses pour l'éternité, mais aussi dans les choses temporelles. Il va intervenir. Et Jésus était relâché. Il a sorti de la mort. Puisque le Dieu sauveur était là. Il l'avait envoyé comme chez Israël. Je venais de lire ici. Il l'ange. Qui est devant sa face et les a sauvés. Et ma prière, je ne connais pas votre situation, mais j'invoque les sauveurs que je suis en train de proclamer aujourd'hui. Afin qu'ils puissent expédier. Dieu, alléluia et alléluia. Connaissez-vous même la situation chaotique, catastrophique, dangereuse de Pierre, le pasteur, le roi évangélique, que les catholiques appellent les papes. Il est en prison, danger de mort. Mais l'Église a suivi les schémas qui étaient prescrits par Dieu. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Et l'église de Jérusalem s'est tournée vers le Dieu sauveur. Et il a dépêché un ange dans la prison de Pierre. Il avait arraché. Je confie l'église à la prière. La Pâque ne vous servira à rien. Si vous ne vous tournez pas vers le Dieu sauveur, ça ne servira à rien. Vous avez besoin de la prière. J'aime bien la chanson qui dit, si vous croyez que je crois, et qu'ensemble nous prions, nous verrons descendre l'Esprit et la vie sera sauvée. Alléluia. Le temps est arrivé d'activer la machine du salut du Dieu sauvé par la prière. Ça va fonctionner. Et n'oubliez pas la parole que je vous ai dite. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. C'est acquis, c'est signé. Est-ce que vous ne voyez pas la signature par la foi? Alors invoquez-les dans un esprit de foi et vous les verrez à l'œuvre. Kilouba, 60 ans révolus. Je les vis. Depuis 12 ans, m'a sauvé spirituellement. Mais pendant mon pèlerinage, il m'a sauvé. Il sait vous sauver.
Savez-vous même comment il avait sauvé le jeune homme David des griffes, la part de l'ours et de la guerre des lions? Et il a sauvé aussi des Goliaths qui voulaient lui couper la tête. Il avait sauvé des machinations du vieux combattant Saül. Et il est vieux. Qu'est-ce qu'il dit? J'étais jeune et j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu les justes abandonnés. Non, non. Tournez-vous vers moi, vous qui êtes aux extrémités de la terre, et vous serez sauvés. Le problème est là, est là. Je n'ai pas de ce message. La Pâque ne vous servira à rien. Ça ne vous servira à rien. Vous tournez pas. Vous pouvez marcher avec des rameaux, tout ce que vous pouvez faire. Les buts de la Pâque doivent nous amener au salut. C'est pourquoi la Bible dit quoi? Comme Moïse éleva les serpents dans le désert, le Fils de l'homme sera élevé et quiconque va regarder, tourner le regard, le monde, Jésus, l'agneau, le sauveur. Le problème est que les gens ne tournent pas leur regard vers celui qui a été crucifié pour qu'il soit sauvé par le sauveur. La seule manette qui active le salut, c'est la prière. Écoutez-moi. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Le Seigneur est là. Il est là. Le Sauveur est dans votre pays, dans votre ville, dans votre cœur même. Mais le problème, c'est l'invoquer. Vous savez, j'aime bien Marie, mère de Jésus. Elle au moins a suivi ce chemin. Et il a appris ça à d'autres. Il n'y a pas de vin à Cana. Le Sauveur était là. Le Sauveur est de toute situation, des disettes, des carences. Écoutez-moi. C'est pourquoi j'ai parlé. L'incontournable Sauveur de tout était là. Le vin vint à manquer. Vous manquez beaucoup de choses. Le Sauveur est disponible dans ces manquements. Sinon, les manquements vont vous noyer. L'Éternel, mon berger, je ne manquerai de rien. Il était là au rendez-vous pour sauver une situation qui mettait la fête en débandade. Sans vin, ça ne pouvait pas marcher. Imaginez, vous invitez les gens à la fête, pas de breuvage, et vous racontez les histoires. Les vins vont en manquer. Écoutez-moi, homme de Dieu, femme de Dieu, enfant de Dieu, fille de Dieu, hier tu avais et aujourd'hui tu n'en as pas. Tourne-toi, tourne-toi. Et Marie dit à Jésus, ils n'ont plus du vin. Elle au moins savait qu'elle était, qui était son fils, qu'il était le sauveur de toutes situations. C'est pourquoi je l'ai lu dans Ésaïe 63. Dans toute leur détresse, il a été pour eux un sauveur. Alléluia et alléluia. La situation était là. Quand bien même Jésus avait recadré sa mère, mais il savait quand même que là, ce qu'il avait fait là était juste. C'était le chemin. Et Marie dit, faites tout ce qu'il vous dira. Et se sont tournés, alléluia. Elle est allée mobiliser pour qu'elle... On a besoin de passer qui mobilise les gens vers celui qui peut nous sauver des détresses. Il a dit, faites ce que vous dira. Ils sont allés vers lui et ils ont fait ce qu'il a dit. Et ça fonctionnait. Il a été ça. Je pense aux disciples qui étaient sur la mer en tempête, qui mouraient de noyade. Et là encore, les sauveurs étaient au rendez-vous. Ne dis pas que ma situation a fait longtemps. Vous savez l'épisode que j'ai lu dans Actes chapitre 4 verset 11. Cet épisode concernait une personne qui n'était pas pécheresse, entre guillemets. C'était une personne malade. C'est de cet épisode dont parle l'apôtre Pierre. Il n'y a aucun nom sous le soleil qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Ce n'est le nom de Jésus. C'est le nom du salut. C'est le nom du salut pour tous et en tous, en tout. Ce monsieur était guéri, ce n'était pas l'esprit qui était sauvé, c'était son corps. Le temps est arrivé à ce que l'église se tourne vers les sauveurs du corps. Aujourd'hui, les gens ne croient plus à ce sauveur du corps. Et pourtant, de son vivant, il a sauvé
Il a sauvé les corps jusqu'au corps décomposé, puisque Marie et Marthe se sont tournés vers lui. Et j'aime bien avoir des pasteurs comme Pierre. Le corps est paralysé et les messieurs se tournent vers les Pierre qui avait Jésus avec eux. Il leur demande de l'argent. Mais ils ont compris les besoins importants, c'est son corps. Et Pierre dit quoi? Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Ils lui ont donné les salis au corps, puisque ces messieurs s'étaient tournés vers eux pour les besoins d'argent. Dieu, c'est un Dieu qui fait au-delà de ce que nous pensons et demandons. Il sait comprendre ce dont vous avez besoin. C'est pourquoi la prière produit plus que notre prière. Quand vous priez, vous entrez dans la chambre de celui qui veut aller au-delà de ce que tu demandes. De quoi il dit, il fait au-delà de ce que nous demandons et pensons. Et vous connaissez l'épisode de Lazare. J'aime bien Marie et Marthe. Ils se sont tournés vers le Sauveur. Du corps. Et là, il a été au rendez-vous et il avait sauvé Lazare. Le corps qui était déjà décomposé a été recomposé. C'est puisque ils sont tournés. Je me suis arrêté aujourd'hui pour tous ceux qui sont en train de fêter la Pâque. Ils comprennent. Vous avez les minutes? Qu'ils comprennent. Il est important que nous ne puissions pas faire de Jésus un sauveur d'une seule chose, l'âme. Il s'est sauvé l'âme. Mais c'est aller au-delà de cela. Moi, j'aimerais que l'Église aille plus loin et qu'on se tourne vers ses sauveurs. Il a été sauveur de son vivant. Il avait sauvé non simplement l'esprit, il avait sauvé les corps, non simplement il a sauvé la situation de détresse, dans toutes les détresses physiques. Mais il est arrivé aussi à intervenir dans des détresses que j'appelle financières, alimentaires, et il avait sauvé. Et j'aimerais que ces noms ne puissent pas rester lettres mortes, mais que nous puissions nous tourner. C'est le but de tout ce que je venais de lire pour vous. Au témoin, il n'y a point de Dieu qui sort. Il se présente de cette manière puisqu'il veut agir. Le temps est en train d'aller vers la fin. J'agirai, qui s'y opposera? C'est Dieu un sauveur. Aucune chose ne peut l'empêcher de sauver. Il a dit, ma main est-elle courte pour sauver? Ça, c'est Isaïe 58. Il y a une puissance du salut dans ce Dieu qui salue. Quand Jésus a crié, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il a lâché sa puissance. Je pense à cela, le temps est arrivé pour que Dieu lâche la puissance du salut dans les villes et dans les nations. Par notre prière, tournez-vous vers moi pour vous-même et pour les autres. Jésus a été sauvé et maintenant il est où? Il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Tournez-vous pour vous-même et pour les autres. Et ils seront sauvés. Ils seront sauvés. Je pense à tous ces besoins qui pillent dans le monde. Et des femmes extraordinaires, merveilleuses, se sont tournées pour les besoins de la vie. De la vie. Je pense à la vie. Au réveil des nations. Il n'y aura pas de réveil sans se tourner vers le Dieu du salut. Il n'y en aura pas. Il est. Mais les problèmes clochent de notre côté. Et quand ils se sont tournés, il est descendu. Notre ami dort. Je vais aller le réveiller. Il va venir. Il va venir, le sauveur. Il ne suffit pas de croire qu'il est le sauveur, mais il faut l'engager à l'action qui salit par vos prières. Il ne suffit pas de croire qu'il est mort, l'agneau pascal, mais il faut engager l'agneau pascal à entrer en action. Il était mort à Jérusalem. Ils l'ont engagé dans la chambre haute et il a lâché la vie à Jérusalem. Alors allez commencer la conquête de la vie par le sauveur. Jérusalem, la mort est tombée, la Judée est tombée. Ça, c'est la deuxième prière qui a fait tomber la Judée. Dit les villes voisines à courir à Jérusalem. Et l'ombre de Pierre, puisqu'ils ont prié dans vos chambres hautes. Ensuite, quand ils ont élevé la voix ensemble,
La Pâque ne sert à rien s'il n'y a pas de prière. Il ne suffit pas de proclamer son nom de sauveur. Mais nous avons besoin de Moïse qui élève et qui engage les hommes à regarder. Alléluia, alléluia. Je suis un évangéliste. J'engage les hommes à regarder au sauveur. Il vous sauvera. Et Moïse avait engagé Israël qui était dans une situation de mort. Puis c'était des serpents venimeux. Et il a élevé les serpents. Et de la mort de Jésus, l'agneau pascal. Le problème de l'église, c'est que la prière fait défaut. Vous vous mettez à genoux. Et je crois que ce Dieu sauveur que j'ai lu avec vous dans Isaïe va déclencher, activer. Est-ce que vous savez que pour sauver Jésus de la mort, la Bible dit, il avait déployé sa force infiniment grande. Alléluia. C'est pourquoi il s'est sauvé. Il a une puissance infiniment grande à la disposition du salut. Alléluia. Je pense à ça. Aller prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Il avait disponibilisé sa puissance. Vous serez revêtus de la puissance d'en haut et vous serez mes témoins. Vous allez sauver comme moi j'ai sauvé. J'aimerais que les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, pendant cette fête pascale, recevez la puissante main du sauveur. Ma main est-elle courte pour sauver? Il y aura les saluts. On va sauver plusieurs personnes. C'est pourquoi j'ai dit Dieu, l'incontournable sauveur de tout et de tous. Que Dieu vous bénisse et que cette semaine pascale vous réveille à la vie de prière. Comme la mort de Jésus avait déclenché sa fonction dans toutes les détresses, n'ont pas été sans secours. Il sait vous sauver encore et encore. Et que vous bénisse à la prochaine. Amen. Merci de nous avoir suivis. Faisons une large diffusion de la foi dans le monde au travers de ces enseignements.